Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle vidéo de Rank Up. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, il y a un gain de niveau. Et aujourd'hui, on va monter un des deux persos qui était prévu d'être monté rang 5. On va monter évidemment Egon. Alors, pas Namor parce que je ne me suis pas encore occupé pour avoir les katas qui manquent. Comme vous pouvez voir, hein, vite fait, il en manque 6. Donc, je peux les avoir d'une certaine façon, mais il faut que je m'en occupe. Je ne suis pas encore occupé. Du coup, pour ce faire, on va monter ce fameux Egon, tout simplement. Et il va passer à rang 5. Je suis content, j'espère à l'occasion le jouer en quête ou je ne sais où. Ça me ferait énormément plaisir de jouer. Perso, j'aimerais beaucoup découvrir quelque chose de super intéressant. Ça va nous compter une blinde en or, évidemment. Ça, de toute façon, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Hop. Voilà. Allez, hop. Petit dégun R5. Tu es à moi. Ça coûte toujours autant aussi cher, hein. Ça coûte toujours aussi cher à monter un R5. Attends, t'as oublié de te mettre ça. Alors évidemment, lui, c'est vraiment un perso à monter, qui est monté pour le fun. Il rentrera absolument pas dans le prestige. Je sais pas très trop quelle couleur monter. Hein. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup. Je sais pas, je sais pas. Ah. Peut-être qu'on peut monter des trucs comme ça, on peut aussi utiliser du basique. Est-ce qu'il y a aussi du basique en comme ça, ok. On peut prendre comme ça, on verra bien, de toute façon j'ai pas... je sais pas trop. Je sais pas trop, parce qu'en fait le truc c'est que je vais monter aussi d'autres persos à côté, et j'en ai encore aucune idée de qui. Faire comme ça aussi, hein, tant qu'à faire. C'est sûr pour le coup que si j'avais eu des idées de bonne classe, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais j'ai eu pas de chance, j'avais pas chopé beaucoup récemment. J'ai chopé beaucoup d'autres classes, mais pas de celle-là. C'est comme ça, hein, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. Et voilà, le petit Ergon R5, un nouveau R5 en plus. Du coup, en plus, on va monter... Voilà, pour monter à de nouveaux 4 R1, on peut monter du coup Mysterio. On va monter Mysterio 4 R1. 5 R2, je veux dire. Qui mérite largement son 5 R2. Hein. Hop. Monter comme ça. Il doit peut-être avoir du tech qui traîne encore, j'imagine. Oui, encore un petit peu. D'accord. Peut faire plus que ça. Hop. Voilà. Et voilà notre petit Mysterio. Nickel. On est comment niveau? Je crois qu'on a fini le gain de niveau de mémoire. Voilà, on a fini pile poil, c'est parfait. Je vais trouver une façon pour pouvoir monter Namor 5R5 au prochain gain de niveau. J'espère vraiment pouvoir le monter. Hop, on va récupérer un peu tout ça, tout ce qui traîne là. Voilà. C'est parfait. Donc vous pouvez voir, hein, du coup, nouveau.
Nouveau 5 étoiles, R5 qui est ici, le petit Aegon. Et du coup, le prochain sera Namor. Puis voilà, c'est plutôt sympathique. Plutôt sympathique, évidemment, il y en aurait d'autres à monter plus tard. Ici, on pourrait encore en monter d'autres ou pas? Alors, j'ai bien, il va manquer. Comment? IR1? R1, ouais. Ouais. Bah écoutez, j'ai la petite idée sur qui on pourrait monter pour le prochain niveau. Puis après, il y aura forcément les R2 à passer R3. Et R3 à passer après R4. Enfin bon, c'est un peu une histoire sans fin après, hein, tout simplement. Et le Namor, j'ai vraiment hâte de le monter. Ça peut être vraiment super, super, super intéressant. Et du coup, ça nous ferait 12. Ça nous ferait 12 R5. Sachant que je pourrais encore monter. On va regarder vite fait, mais je crois en stock. En T5, c'est pas là, c'est là. En T5B, j'en ai 6. Donc rien qu'avec ça, je peux encore monter 3. Ouais, j'ai de quoi monter encore. J'ai de quoi encore monter 5 persos. Sans compter Namor, évidemment, au total. Hein, j'ai de quoi monter encore 5 persos R5. Ça, puisque j'ai ce que j'ai à côté en stock. Donc ouais, c'est pas mal. Alors, ce qui va monter après, c'est les Alpha 2, mais bon, on va dire que le plus duré là, quoi. Le plus duré là. Ok, bah écoutez, super. N'hésitez pas à me dire comme si dans le commentaire bah, quel perso vous avez monté. Si aussi vous avez monté Aegon pour le LOL par exemple. Bon, ça c'est juste pour le fun, pour le tester, etc. Ouh là, j'ai fermé le jeu, sans faire exprès. C'est juste pour le tester, voir ce que je peux faire vite, peut-être plus tard, il peut aussi être super intéressant. Voilà, c'est un perso que je vais toujours monter, je peux me permettre. Ça changera pas l'adéquation, ça changera strictement rien au roster ou autre. J'aurais pu monter un autre perso. Mais bon, lui, comme j'ai des gemmes de rank up 4 à 5. J'en ai deux ou trois en stock, mais il me reste plus qu'une. Une ou deux, donc du coup, voilà, c'est un petit cadeau que je me fais, voilà, tout simplement. Et puis à l'occasion, bah, pourquoi pas le tester en quête? Pourquoi pas pour le queue? Ça peut être intéressant, voir un peu ce qu'il offre. C'est vrai que je joue pas du tout, donc ouais, à voir, à voir, à voir, à voir. Voilà, mais écoutez, sur ce, à tous et à toutes, une bonne fin de journée, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!